en fait, nous sommes invités à Paris au brunch Party Paris. Et pour découvrir la marque Philippe Advent. Et du coup, il y a des ateliers. On essaye d'y aller. Il y a un espace garderie en fait pour les petits méga vins. C'est dur comme on ne connaît pas vraiment les crèches, les garderies. Donc ça fait deux fois qu'il revient. Mais là, Greg, il fait le guet devant en fait. Du coup. Greg, il reste à... Il faut que Gabin voit Greg. Si on part tous les deux, c'est un peu compliqué. Alors, tu viens nous montrer tous les jouets ? Je crois que l'école c'est pas pour maintenant quoi. Ça risque d'être dur. Mais il aime bien, il joue en fait hein, mais il faut qu'on soit là. Et papa poule. Papa poule, bah, qui papa reste. Poule, si je m'en vais, il pleure. Regarde. Je suis là, je suis là. Tu peux jouer avec les enfants. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Vlogmas. Alors Vlogmas, c'était pas prévu du tout. Encore hier, c'était vraiment pas prévu, pas au programme. Mais j'ai eu quelques petits messages sur Insta, certaines d'entre vous qui me demandaient si j'allais faire comme l'année dernière les Vlogmas, donc c'est-à-dire un vlog par jour. Et puis moi j'ai eu envie en fait. Finalement, je me suis dit allez, ça va être les vacances de Noël, etc. Il y a plein de choses à vous montrer, à partager avec vous. Donc c'est parti pour le premier Vlogmas. Vous aurez un vlog tous les jours. Mais en tout cas, c'est parti pour le premier Vlogmas. Donc là, 1er décembre, vous verrez ça du coup le 2. Il y aura toujours une journée de décalage. Hein. Laissez-moi le temps de faire le montage, etc. Là, je viens tout juste d'aller faire les courses. Voilà, des petites courses du dimanche matin pour être tranquille pour cet après-midi. Ensuite, aujourd'hui, oui, on a lancé sur Instagram avec les copines un concours de folie, c'est le feu. Celles qui nous suivent, vous savez qu'on a fait un jour un merci, donc tous les jours, on faisait un concours sur Instagram avec un beau lot à gagner. Et on vous disait que le dernier lot serait le best. Et là, ça y est, il est lancé depuis ce matin. Et le dernier lot, du coup, c'est un MacBook. Donc, on vous a acheté un MacBook Air. Et du coup, bah voilà, on l'offre à l'une d'entre vous en concours. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Il y a des choses sympas qui se passent par là-bas. Gabin, c'est ton nouveau panda? Oh, le panda! Il est beau! Oh! Oh! Il parle? Il te parle? Tu lui fais un bisou? C'est trop chou. Oh, il est beau. Tu lui fais un petit bisou. Il est doux. On a eu ce panda lorsqu'on était allé à un événement Amazon. Et je le trouve vraiment chouette. Il est hyper doux, etc. Je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser pour un cadeau de Noël. Hyper réaliste. Oh là là, il est d'une douceur. Alors quand on le chatouille, il rit. Quand on le caresse, là si on souffle dans son nez, il éternue. Enfin bref, il est trop mignon. Bon, ça y est, ça sent les fêtes qui arrivent. On vient de descendre toutes les décos de Noël. Alors là, c'est juste l'extérieur pour décorer l'extérieur de la maison. On a tout descendu du grenier. Et là, on a les décos intérieures. Voilà, donc tout avait été emballé dans les cartons, etc. Là, on a le petit train pour tourner autour du sapin. Et ici, on a reçu notre nouveau sapin. Alors, il vient du site Eminza. Et cette année, je voulais vraiment un très grand sapin artificiel. Donc, on a mesuré le plafond. Il fait, enfin, la hauteur du plafond fait 2,50 m. Donc, j'ai pris un sapin de 2,40 m artificiel et déjà illuminé. Voilà, comme ça, pas besoin de mettre des tonnes de guirlandes, etc. Donc normalement il n'y aurait que les boules à mettre. Donc j'ai hâte
de le déballer et voir ce que ça donne. Je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, à voir. Ça y est, Greg met la toute première décoration de Noël sur le toit. Donc là, c'est une étoile filante. Il est en train de la brancher. Bon. C'est parti. T'es content? Toi qui n'as pas pu faire Halloween? Ouais. Il y a du boulot là. Il y a du boulot, ouais. Alors je voulais vous montrer un truc que je fais, enfin c'est récent, voilà, qui dit 1er décembre, dit déjà mes résolutions. Et j'y pensais depuis un moment, je suis même déçue de ne pas avoir pensé à le faire plus tôt. J'ai reçu un carnet comme ça, je savais pas trop quoi en faire. Et en fait, j'ai décidé d'écrire une journée par jour, en fait, enfin, forcément. D'écrire tous les jours, en fait, le soir. Un petit résumé vraiment court, mais écrire à Gabin. Et lui écrire un petit peu, lui raconter notre journée, ce qu'on a fait, ce qu'il a fait, ses progrès, etc. Donc, du coup, j'ai écrit sa première journée ici. J'ai même mis, du coup, je vais peut-être mettre des photos, coller des petits trucs, etc. Un peu comme un journal intime dédié à Gabin. Il s'en fera des souvenirs et il ira plus tard. Et voilà, donc je raconte un petit peu ce qu'on a fait, là qu'on est allé en train à Paris avec papa, etc. Bref, voilà, je raconte un petit peu notre journée tous les jours. Donc je sais pas combien de temps je vais le faire, je sais pas si je vais vraiment m'y tenir tous les jours, mais en fait j'ai eu l'idée parce que le soir quand je prends ma douche je réfléchis et souvent bah, je réfléchis, je repense à la journée avec Gabin et je me dis oh, j'aimerais bien qu'il se souvienne de ça, j'aimerais bien qu'il se souvienne de ça, je suis contente de ça aujourd'hui. En fait j'essaie toujours d'avoir cette petite pensée positive à la fin de la journée et du coup moi j'ai décidé de les écrire dans un carnet. Bon, qui dit 1er décembre dit l'ouverture des calendriers de l'Avent. On va pouvoir ouvrir celui-là. Tu prends toute la place sur l'image. On se met là, comme ça. Attention, je veux faire une story en même temps. Bon, ça y est, c'est parti. On va ouvrir la première case du calendrier Jiffy. Recule. C'est qui le plus pressé en fait? Entre toi et moi, je crois que c'est Greg le plus pressé. C'est. Oh, une boule de Noël, elle est trop belle. Une petite boule. Là j'ai un numéro 21 qui dépasse là. Ah non, regarde pas, triche pas. Là. Donc voilà pour la case numéro 1. Mon chien. Bon, Gabin est réveillé de sa sieste. On a Greg qui est en train de préparer là des protections pour ses arbres dehors. Parce que là ça y est, va commencer. Enfin, il gèle déjà le matin. Il faut qu'il protège ses palmiers, bananiers, etc. Et nous, on fait un petit peu de coloriage. Donc là, c'est un livre que j'ai eu chez Action. J'ai dû le payer 1€ ou 1,50€, je crois. C'est un Disney. Et les crayons gras, c'est ma mère qui les a trouvés chez Pickwick, il me semble. En fait, ils sont gros, donc faciles à attraper dans les mains. Mais t'es un artiste! Mais bravo, Gabin! Parce que j'en avais acheté chez Action des crayons gras, mais ils sont tout fins. Et c'est pas évident pour les tout petits de les attraper. Donc là, voilà, je préfère beaucoup cela. Mais tu nous fais quoi là, Gabin? Waouh! Bravo! Waouh! Oh, ça c'est le bleu. Et ça c'est quoi? Orange. Orange. Ah! Oh, le bleu. Et ça c'est, regarde, le vert. Le vert. Vert. Tu fais voir comment tu fais? On fait tous les deux? Oh, regarde le vert. Waouh. Le vert, c'est la couleur du sapin. Le sapin, il est vert. Waouh. Clôturer le vlog du jour ici.
J'ai pas mal de boulot, là je suis en train de faire le tirage au sort de tous les concours du mois qu'il y a eu avec les copines du coup sur Instagram. Donc il y a eu un concours par jour et ce soir bah, on fait tous les tirages, donc il y a du boulot. Ensuite j'ai le montage de ce vlog à faire pour que vous l'ayez du coup demain. Et puis voilà, c'est déjà très bien parce qu'il est 22h passé, 22h15. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, je vous fais plein de gros bisous et du coup ben, je vous dis à demain pour le prochain vlog.